Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, on annonça au roi d'Égypte que le peuple d'Israël s'était enfui. Alors Pharaon et ses serviteurs changèrent de sentiment envers ce peuple. Ils dirent : qu'avons-nous fait en laissant partir Israël ? Il ne sera plus à notre service. Pharaon fit atteler son char et rassembla ses troupes. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, chacun avec son équipage. Le Seigneur fit en sorte que s'obstine Pharaon, roi d'Égypte, qui se lança à la poursuite des fils d'Israël, tandis que ceux-ci avançaient librement. Les Égyptiens, tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses guerriers et son armée, les poursuivirent et les rejoignirent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon. Comme Pharaon approchait, les fils d'Israël regardèrent, et voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ils eurent très peur, et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse : l'Égypte manquait-elle de tombeaux pour que tu nous aies emmenés mourir dans le désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte ! C'est bien là ce que nous te disions en Égypte : ne t'occupe pas de nous, laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple : n'ayez pas peur. Tenez bon. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire pour vous sauver. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous, vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse : pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux. Et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent, ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars de Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leur chef assombrée dans la mer rouge. L'abîme les recouvre. Ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quelques-uns des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. « Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. » Il leur répondit : « Cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera de même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. »
Commentaire de Saint Cyrille de Jérusalem. Crois en la résurrection. Dans un sépulcre de roc, il fut comme homme déposé réellement. Mais les rochers se brisèrent de crainte à cause de lui. Il descendit dans les lieux souterrains pour racheter jusque de là les justes. Celui qui est descendu aux enfers en est remonté, et Jésus enseveli et ressuscité le troisième jour, réellement. Si un jour on t'attaque, fais vite front en posant cette question. Jonas, après 3 jours, n'est-il donc pas ressuscité de terre? Un mort pour avoir touché les eaux d'Élysée a ressuscité. Et le Créateur des hommes, à plus forte raison, par la puissance du Père, ne ressuscite-t-il pas plus aisément encore? Il est donc ressuscité réellement, et une fois ressuscité, il a été revu par ses disciples. Et les 12 disciples, témoins de sa résurrection, n'ont point témoigné en des discours fleuris, mais ils ont soutenu sur la réalité de la résurrection, des combats qui allèrent jusqu'au supplice de la mort. Et quoi? Selon l'Écriture, sur l'affirmation de 2 et de 3 témoins sera réglée toute l'affaire. En voici 12. Et tu es encore incrédule sur la résurrection? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu infiniment saint et glorifié dans vos saints, qui avez inspiré aux saints moines et ermites Charbel de vivre et de mourir dans une parfaite ressemblance avec Jésus, lui accordant la force de se détacher du monde afin de faire triompher dans son ermitage l'héroïsme des vertus monastiques, la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Nous vous supplions de nous accorder la grâce de vous aimer et de vous servir à son exemple. Seigneur Tout-Puissant, qui avez manifesté le pouvoir de l'intercession de Saint Charbel par de nombreux miracles et faveurs, accordez-nous la grâce que nous implorons par son intercession. Ainsi soit-il. Bonjour à tous, alors je vous avais demandé de choisir une neuvaine pour cet été, et alors vous avez tout donné je crois. Donc on a eu Saint Antoine, Saint Benoît, Marie qui défait les nœuds, beaucoup, apparemment vous avez beaucoup de nœuds à défaire, Précieux Sang, Michel Archange. Alors Michel Archange, il y en aura une à la rentrée fin septembre, voilà comme ça on pourra prier ensemble Saint Michel. Saint Charbel, c'est trop tard, après Saint Ignace, Sainte Marie Madeleine. On aurait pu le faire, mais c'est aussi trop tard. Litanie du Précieux Sang. Alors ça, il y en a beaucoup qui me le disent. Faut que je regarde parce que je ne connais pas. Neuvaine à Saint-Pierre. Neuvaine pour les prêtres. Saint-Jean-Marie Vianney. Sainte-Anne. Sainte-Famille. Sacré-Cœur. Neuvaine à Padre Pio. On pourra peut-être en faire une aussi l'année prochaine parce que ça... Il y a plein de dates à fin septembre, début octobre. Et puis voilà, on ne peut pas faire 2 neuvaines en même temps. Sainte-Anne. Notre-Dame de Lourdes. Sainte-Thérèse. Le Saint-Esprit. Saint-Louis et Zélie Martin. Alors voilà, donc ça c'est, je crois qu'il y en a eu d'autres, j'ai un peu rassemblé celles qui étaient le plus demandées. Alors j'ai décidé, on va prendre une neuvaine que je vais vous indiquer demain, elle est parmi tous ces noms de saints, et vous allez voir pourquoi on va choisir spécifiquement cette neuvaine-là. Déjà parce que c'est la date qui arrive, et que c'est bien de finir la neuvaine le jour d'avant la date en question. Et donc, voilà, je vous laisse deviner laquelle c'est. Vous pouvez deviner en commentaire. Je dirai rien, mais ça va être annoncé très prochainement. Voilà, et c'est une neuvaine qui fait sens. Voilà, et je vous inviterai à vraiment la prier, avec toute votre ferveur et à la partager vraiment autour de vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a l'évangile de Saint-Luc qui va être partagé 5 minutes par jour. Donc, je crois qu'en tout, ça fait 2h15, 2h30 de lecture. Mais on va partager ça par 5 minutes tous les jours jusqu'à ce que ça finisse. Donc ce sera peut-être mi-septembre, voilà, quelque chose comme ça. Et ce sera sur Hosanna Prière uniquement. Donc il faudra se rendre sur Hosanna Prière pour y aller. Donc le lien s'affiche ici. Et puis après, ce sera accessible sur Catoglade, sur une playlist dédiée. Les vidéos seront mises en ligne, voilà. Ensuite, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire, je crois.
Voilà. Moi, je vais partir en vacances, donc je vais être beaucoup moins disponible à lire les commentaires, à réagir tout ça. Je vais essayer de continuer mes petites missions d'évangélisation sur Internet, mais voilà, ça va être un peu. Bah, je vais pas avoir Internet en fait. Donc voilà. Soyez bénis.